Bonjour les amis. C'est bonjour. Non. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons écrire une phrase ensemble qui commence avec l'œuf à quelque chose. Alors, ça s'appelle mon ami l'œuf. Ici, l'œuf a une fleur. Encore. L'œuf a une fleur. Bravo! Est-ce que c'est celui-là? Non. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Oui! Bravo! L'œuf a une fleur. Bravo! Je l'ai déjà découpé avec mes ciseaux. J'ai déjà découpé. Mais maintenant, j'ai besoin de la colle. Alors, je prends la colle. Je vais coller celui-là. Je le mets à côté de la phrase. Maintenant, l'œuf a une fleur. Voilà. OK? Alors, l'œuf a un livre. Répétez. L'œuf a un livre. Bravo. Excellent. Alors, je cherche un œuf avec un livre. Non. Celui-là encore? Non. Non. Oui, bravo. Alors, je prends ma colle et je colle celui-là. Non, merci. Alors, je colle celui-là, juste là. L'œuf a un livre. Voilà. OK, ici, l'œuf a un panier. L'œuf a un panier. Répétez. L'œuf a un panier. Panier means basket. Est-ce que tu peux trouver celui-là? Can you find that one? Odin aime colorier les choses. Il aime jouer avec les marqueurs. Si, l'œuf a des mitaines. Répétez. L'œuf a des mitaines. Oui. Et ici? L'œuf a un crayon. Bravo, les amis. Oui, alors, tu peux finir celui-là. You can finish that one. And then, we can write our sentence. What can we say? L'œuf a un ou une. L'œuf a une banane. Et l'œuf a une banane. L'œuf is kind of a hard word to write, so we can look here. L'œuf. 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 Est-ce que j'ai fait une lettre majuscule? Oui! Bravo, madame! OK, and let's not forget our spaces, les espaces. L'œuf a, which means has, l'œuf a, and then with banana, on utilise une, just like fleur, so une. Actually, let's see. Est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut trouver une qui peut
peux trouver une. Bravo, c'est juste là. Une. L'œuf a une. Manger le mot. Banane. Banane. Quelle lettre fait le son B, B, B? B dit B. B dit B. Bâton, bâton. B, B, B. Banane. Mange encore. Banane. Ba, A, A. Oui, on sait celui-là, c'est A. A dit A. A dit A. Bravo, les amis. Mangez encore. Banane. Montre-moi la lettre qui dit N, N, N. C'est juste là. N. N dit N. N dit N. Non, 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 non. N, N, N. Bravo! On met la lettre N. Et mangez encore. Banane. Oh. Wait a sec. Didn't we already hear that sound? Ba. Na. Une autre A. Oui, bravo. Manger. Banane. I think we heard that sound before too. Banane. N, n, n. Oui, c'est le N. Encore. Are you making the sound too, buddy? Banane. Une autre fois, one more time. Manger. Can you eat the word too, Odie? Banane. Quelle lettre fait le son E, E, E? Oui, c'est celui-là. E dit E. E dit E. Je. Almost done. We have the last letter. Banane. Qu'est-ce que je mets à la fin de la phrase? Bravo, un point. J'ai ma lettre majuscule. Mes espaces et un point à la fin de la phrase. Bravo, les amis. Can you say bye bye? Bye bye. Bye bye. À la prochaine. C'est au revoir. Bye, les amis.